Je suis dans les tréfonds obscurs. On est bien sûr en run Dark Urge. Et dans le dernier épisode, eh bien, j'ai rencontré du coup les Druégars, je crois que ça s'appelle comme ça, qui sont un peu des adeptes de l'absolu. Et bon, en ce moment, je suis un peu en mode... Je suis dans ma run absolue, ok? Et puis la run mortelle un peu. Du coup, dans cette run-là, j'ai décidé d'achever la meuf qui avait disparu avec les bottes. Sauf qu'elle est sous la protection des champignons. J'ai réussi le jet en disant mais elle allait mourir de toute façon, j'ai abrégé ses souffrances. Sauf que si tu veux lui voler les bottes, dans tous les cas ça déclenche le combat. Et vraiment il y a forcément un champignon qui regarde, donc tu ne peux pas voler les bottes sans que ça déclenche un combat en fait. J'ai trouvé un glitch, un peu par hasard. Et hier, du coup, j'étais en train de strater pour kill le chef des champignons, c'est pas grave, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de champignons dans la zone quand même. Et hier, ma connexion internet m'a dit, Nao, il est minuit et demi en fait, qu'est-ce que... mais va te coucher. Donc je me suis arrêtée en plein combat. Mais du coup, ce que j'ai envie de faire, j'ai envie de reprendre la sauvegarde de juste d'avant, quoi. Avant que le combat comme ça, je repars sur un combat tout frais. J'ai vu la vidéo YouTube, merci pour ça. Le best-of ? Le best-of ? Parce qu'il y a un best-of, effectivement, Baldur's Gate qui est sorti. C'était le début de notre aventure avec Zag, il est incroyable. Là, attendez-vous dans les futurs best-of qui viennent, du coup, il y aura forcément du Baldur's Gate. Hein. La reine ornie. Du coup, j'ai envie de reprendre cette sauvegarde-là, voilà. La sauvegarde avant que le combat commence vraiment, comme ça on sait ce qu'on fait. Parce que là si je retourne et je suis en plein combat, je vais être en mode oh là là je sais plus... Quoi minuit et demi? Ouais ouais mais j'étais dans mon truc quoi. J'avais très envie de venir à bout de ces champignons mais ma connexion internet a dit non non Nao c'est pas raisonnable. Demain ton enfant sera levé à 7h. Alors va te coucher. Ma connexion internet, elle m'a dit ça hier soir et du coup, ça m'a cut le live. Et du coup, bah, je me suis arrêtée en plein combat, j'ai sauvegardé, mais bon. J'ai tellement adoré le jeu et j'ai pas fini d'y jouer. T'es toujours sur ta première run ou tu en as fait plusieurs? Moi qui n'ai pas suivi ta première run, je vais avoir les meilleurs moments avec les best-of à venir, c'est cool. Les meilleurs moments, en vrai, il y a eu tellement de bons moments qu'il y a forcément des choses qui seront pas, quoi. T'es plus Starlinked, hein, c'est fini cette époque. Bon, le test de Starlink a été très très bref. Hein. En vrai, on n'a pas trop à dire. T'en as fait plusieurs déjà, ok. Ok, ok. Moi, je découvre Dark Urge, du coup. Ah, ok. La reprise, on va attendre que les textures chargent, bien sûr. Mais la reprise de cette sauvegarde... Bah, elle est nulle, cette sauvegarde. Non, 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 c'est pas la bonne sauvegarde. Qu'est-ce que c'est que cette sauvegarde? Le chef des champignons n'est pas mort. Ouais, bah. Je vais reprendre celle-là plutôt. Du coup, est-ce que Nao va toucher à Elden Ring? Oui, c'est prévu. C'est prévu, c'est prévu. Après, je sais pas quand, mais j'ai prévu un jour de faire une session découverte du jeu. Je sais pas si je jouerai très longtemps, mais j'irai tester, oui. Tu as un disque dur pour que les textures se chargent aussi lentement? Oui, 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 j'ai un disque dur. Oui. On est en... Il est juste lent. J'ai un PC qui arrive en fin de vie, voilà. Bon, on n'est pas... Je suis descendue faire pipi et j'ai pas pris de bouteille d'eau. Alors ça, c'est quand même gênant. Ah oui. Donc voilà, parce qu'en plus, la problématique, c'est que il l'a changé, là. Et on a essayé de la voler comme ça, et en se mettant invisible, et de toute façon, on ne peut pas avoir les bottes sur elle. Là, ça nous arrange pas que le mec, il vienne ici, faudrait qu'il se casse.
Il va s'en aller ou pas? Ok. Donc, voilà ma stratégie. Voilà. Voilà mon glitch. J'ai trouvé ça toute seule, je suis assez fière. Hein. J'ai un SSD sur... oui et non, le jeu est installé sur le D, donc ça c'est un disque dur classique. C'est ma petite méthode auto-win, voilà, je vous partage. Quand il va mourir, par contre, là, on va se faire agresser. Il reste combien de vie là? Plus beaucoup, hein. Et en fait, l'objectif que je vais me donner là, ça va être de réussir à tuer celui-là. Blood has been spilled on holy earth. Sans trop déclencher les autres autour. Voilà, si je vais... Ah, ils rentrent parce qu'ils font des norias en fait, donc ils finissent par rentrer quand même. On va essayer de tuer celui-là vite. On a l'avantage, on le prend. Elle est morte. Survival is all that matters. Et si là on le tue, ça veut dire le combat se finit, mais non. Déjà parce qu'on le finit pas là. Et parce qu'il y a celui-là qui va arriver aussi. Ok, je pense qu'il faut qu'on reste un peu dans le secteur. Il va avancer. Les autres nous ont pas captés. Ok, du coup, idéalement, on le finit. Parce que si on finit le combat là, on n'est pas en zone rouge en plus. On pourrait potentiellement faire un petit camp de repos avant de voler les bottes. Récupérer ma nuée de dague par exemple. Il faut pas que je m'avance. Donc je tape à distance. Voilà, le combat est terminé. Et les autres deviennent gentils! Sauf si potentiellement... Attendez, je F5. Sauf si potentiellement je vole les bottes. Et si je me mets en invisible... Et que je... Après discussion avec les modos de Ponce, il est très peu probable que son serveur soit récupéré. Quittez immédiatement le serveur de Ponce pour éviter tout problème à l'avenir. Ok. Moi, je suis partie déjà. Si je suis invisible...
On voit pas que je prends les bottes. C'est incroyable! C'est incroyable! Ah oui, vous étiez pas là hier. En gros, Ponce s'est fait hacker. Et vraiment, son Discord et tout... Moi, je vous propose qu'on se casse d'ici. C'est passé comme une lettre à la poste. Hein. Et hop! Le reste des champignons n'est pas hostile. Ils ont perdu leur chef, vraiment le... Vraiment, ça s'est trop bien passé. Vous avez vu? Vous avez vu comme j'ai géré de fou? Je suis trop fière de moi. Il est où le mec à qui je dois donner les trucs? On pourra bientôt se faire un petit feu de camp full alcool, on sera tous bourrés. Moi j'ai très envie de prendre le bateau. Parce que du coup, je suis sûre qu'il y a des trucs... Moi, la dernière fois que j'ai pris ce bateau, ça s'est ultra mal passé. Y compris là, dans la zone où on arrive après. Donc je suis curieuse de voir comment ça se passe quand il y a des gens, en fait. Des gens vivants, je veux dire. Coucou, Cerise. Allez, on met cap vers l'obscurité, hein. Le bateau a des ailes, comme moi. On est parti! En fait, c'était mieux de refaire aujourd'hui, oui. Ah, j'ai fait une très belle omelette de champignons. Le combat était si doux. Ah bah c'est vous le monsieur de tout. Waouh. You there, Drow. Why are you in Gexraft? Hein? Mais c'est pas vous qui m'aviez demandé le... C'est un autre? Oh, vous vous ressemblez tous, mince. We aren't expecting more of you. Where's Gek? Who are you? Envie de lui dire, vous allez me laisser passer. Ah, mais je suis marquée. Regardez, je porte la marque. Ah, je peux aussi dire, je cherche le sergent Trin. Je crois qu'elle aimerait beaucoup récupérer ses bottes. Puisque j'ai les bottes. Enfin, c'est le plus facile, hein. Il me semble qu'il y avait une mécanique sur les assassins où il... Fallait mieux faire une attaque normale et puis activer l'attaque sournoise si l'attaque touchée. Mais je me souviens plus, ça me dit rien du tout. Gek, il est resté en arrière, il avait encore quelques affaires à régler. More like avoiding the sergeant, I reckon. Come on, let's get it ashore. You're the one telling the sergeant what happened. Oh, du coup, il m'escorte. Alors que la dernière fois, j'avais dû les tuer. You continue forward in silence until the lights of a camp twinkle through the murk. Ça se passe tout de suite mieux, hein? Un voyage sans encombre. Finalement, embrasser la voie du mal.
Les gens veulent pas se retrouver sur mon Death Note en fait, c'est ça le truc. C'est qui pilote là? J'en ai les patates au fond du filet. Qu'est-ce qu'il raconte? You shithead. Time you showed up. Bande de tocards. Qu'est-ce qui se passe? Spit it out. Sergeant finally choked on true soul near's prick. Le sergent s'est enfin fait engrosser par son avis. Quoi? Trapped tighter than a ring on a fat finger. You're shitting me. You pay up? That's the trouble. He's got. Ah, mais je savais pas que la sergente est le. Sergeant's arm is falling off with all the gnome slaves she's been beating. J'avais pas eu le temps d'avoir le lore aussi la dernière fois, il faut dire. Who's the hoon? Friend and ears? Or you plow and drown now? Je suis là pour voir le sergent, j'ai ses bottes. Aye. He speaks le hoon? Mais qu'est-ce que tu me racontes? Found the hoon sailing skiff. That's so. I. You feel the slightest of stirrings in your head. The Duergar is not infected, yet your minds resonate. I'll be. You're one of them. Comment ça se fait qu'elle sent alors? Felt the tingle. Your twat's old chum owes us a load of coin. You want through? Make a donation. Madame, vous voulez être sur mon Death Note? Vous voulez mon or? Il faudra me passer sur le corps, hein? Unclog your hole. Just shitting around. But I'm warning you. Ah non, mais moi je rigolais pas. That soul ain't settled up soon. There'll be hell to pay for the lot of you cult buggers. Ils ont pas l'air de trop l'apprécier au final, Néré. J'avais pas eu le temps de leur en parler la dernière fois. Ok, voyons voir cette. Le sergent, on va rendre les bottes. Au final, il y avait des gens là. Je crois que j'ai plus trop de sous par contre. C'est lui qui vend des choses. Seen her run with a barrel under her arm. Just a small one, but enough to blow the drow out. Someone should grab it. Slaves are never gonna manage with pickaxes. Qu'est-ce qui se passe? Can't go chasing maybes. The sergeant's our ticket in. Oh, would you look at that, Kerr? Someone's having a listen. A shiver runs through you. Your mind is awash with ancient resentments. True soul, no less. What do you think, Kerr? Should we take Nere? En fait, personne n'aime Nere ici, à part peut-être la sergente qui veut se faire engrosser. Mais du coup, ils sont pas très accueillants là. Moi, je vous laisserai pas prendre mon or, j'en ai déjà pas beaucoup. You don't need to ask twice. Your blade ready, Kerr. Drop it, Britvar. You chop this one and Nia won't pay a damn copper. Ah là, écoute cette dame, la voix de la raison. Spill what you want. Triss nous a tout pris, c'est clair.
Vous avez une piste pour libérer Nere? I ain't parlaying with more twat souls. And you got the stench. Je ne sens pas mauvais, monsieur. Better, I'd say a mind flayer shat a worm in your brain. Should split your head open and poke around in there if you lot don't pay up. Mais arrêtez de vouloir mon argent. Je vais vous faire cracher vos boyaux, hein. Big words. Let's see you back them up. Ah. J'espère que ça va rester entre eux et moi, quoi. Quickly. Juste. Non, mais j'en ai marre qu'ils veulent mon or. C'est ça aussi. C'est raté. Another fight. Let's go. Ouais, je sais que t'aimes ça. Oui, oui. Sors-nous ta hache, Zag. C'est pas ouf, ça. J'ai pas assez de PM, hein. Bon. On pourrait le pousser, ça serait la méthode facile, mais le truc c'est qu'il part avec... si c'est un marchand, il a plein de trucs sur lui. Pris au piège, ouais. D'accord. 25%, pas ouf. Juste donner un coup d'épée là-dedans. Hein. Elle rate. Astarion pas très en forme. Le soin de groupe. Et hop. Mais elle rate tout, Shadowheart. C'est terrible. Voilà, ça, c'est ça qu'on veut. Ah, il se soigne en plus. Hein. Mais elle est invisible. C'est pas grave, on part sur l'autre. Ou alors je... Dommage, je pensais que peut-être ça laissait une flaque sur le sol desquelles elle se révélerait. Mais visiblement non. On peut avoir un sort qui passe? Non. Non, 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 non. Mais peut-être un sort de soin qui passe alors, au moins, à minima. Que tu serves au moins ça quand même. Mais vous ratez tout! Je vous demande de vous concentrer. Il y a du sang partout par terre. Mais elle arrive où elle? Heureusement, les autres ne s'en mêlent pas. Ah bah j'avais lueur féerique. Tous les cibles éclairées par la lumière deviennent visibles. J'aurais peut-être dû l'utiliser sur la meuf invisible. Rayon de blessure. 1 à 8. 2 à 16. 2 à 16, hein. Mouais. Pas non plus le truc le plus ouf. Astarion, en fait. C'est Astarion qui nous carry, là.
Raté, échec critique, raté, échec critique, on s'en sort pas. Là, il est pas avec nous dans le combat, il est juste venu faire coucou. Ah, d'accord. Ok. Elle est où l'autre? Elle est là. Franchement, elle, on peut la pousser, non? Ok, ça passe. Alors peut-être. Non. On n'a pas de soins, j'ai plus de soins. Mais finissons là. Ouf. Cool. Venez sauver Tan. On va se faire une petite pause au campement. On va... Tout le monde a up. Ah non, pas Shadow Hutch. Ok, alors attendez. On va up. Comment ça dure encore ce soir? Non, franchement. Astarion qui a peur de se prendre une bestiole écrasée de plus, donc il essaye de briller en combat. Oh mon dieu, horrible la tenue. Après on se demande pourquoi je le laisse torse nu, moi. Franchement. Alors, contre-sort, c'est bien... Hein. Contre-sort, c'est vachement chouette. Prendre contre-sort. Alors, ça, c'est quoi? Vous pouvez lancer lenteur. Vous pouvez lancer malédiction. Armure d'ombre. Langage animal. Vision du diable. Vigueur fielonne. Cette pompe de vie temporaire sur moi et à volonté. Ok, ça peut être pas mal. 1000 visages, maître des ombres. Décharge occulte. Ah. Ah, c'est bien, comme ça je peux pousser les gens. J'ai envie de prendre ça. Tu as pas des teintures pour lui? Non, mais c'est pas la peine. Chapeau de cowboy. C'est pas la peine de lui teinturer la tenue parce qu'il a une tenue qui lui est très très saillante déjà. Ici c'est juste on accepte, ok. Et Zag, il faut qu'on passe devant le miroir un petit peu. En vrai, tu veux prendre ça? Une armure lourde, personne ne met ça. Un bouclier, personne ne met ça non plus. Je reviendrai le loot si je change d'avis. Allez, petit repos au campement. Bah non, mais là, leur look est très bien, non? Vous trouvez pas? D'ailleurs, je dois trouver le miroir pour Zag. Est-ce que du coup, je me suis fait la réflexion, j'ai oublié de lui mettre sa cicatrice?
Je vais aller chercher de l'eau aussi. Hein. Encore un peu trop habillé. Il est bien comme ça. J'ai oublié sa cicatrice. C'était celle-là. En vrai, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui est pas tout à fait comme l'original. C'est peut-être la couleur de peau que j'ai pas pris tout à fait pareil. Possible. Oh, il était... C'est quoi ? Je vais regarder. Je vais regarder sur ma rediff. J'aurais pu aller sur mon téléphone pour pas bugger, en vrai. Alors. Naomi, VOD, découverte. Baldur's Gate. Ah, je suis pas sur le bon site. Parce que comme je l'ai fait en live, bah j'ai tous les paramètres. Hein. Là, j'étais dans les cheveux. Là, j'avais déjà fait la peau. Ah, attendez. J'étais pas sur toutes les couleurs. C'était celle-là. Sauf si j'ai changé après. Est-ce que j'ai changé après ? J'ai changé après ? Ah non, non, t'es pas sur la... Je crois pas que j'ai changé après. Changer la couleur des tatouages. Changer les cheveux. Ah si, je suis revenue sur la peau un peu après. Là, je suis les yeux. Ah, c'est celle-là. C'est bizarre. Non, mais si, a priori, c'est celle-là. Et... pas le bon œil. Le détail, c'est celui-là. Non, c'est pas ça. Ah mais c'était pas sur son œil. Je changeais l'autre œil là. C'est technique hein.
le character design de personnage. J'arrive pas à mettre bien. Pas pratique le lecteur YouTube pour prendre un... sur téléphone du moins, pour prendre un endroit spécifique de la vidéo. Ah non, c'est bien ça. C'était ça. Bon, valide, hein. Marrant parce que sa couleur de peau... il fait plus bronzé, hein. Je suis peut-être revenue un peu après dessus, je sais pas, je vérifie. Ah oui, j'ai changé. J'ai le ton un poil plus foncé, je crois. Après, bon, celui-là, c'est un mort-vivant aussi, donc on va le valider, hein. Peut-être que les... quand ils sont barbares, ils font un petit peu bronze. On va valider. Je lui ai remis sa cicatrice, c'était ce qui était le plus important pour moi. Le reste, on va dire, c'est bon. Je vais aller me chercher une petite bouteille d'eau. Je vais les faire dormir tranquille aussi. Hop, et je vais aller chercher une bouteille d'eau. C'est un jour, qu'est-ce que tu fais avec le cadavre de la zèle? Attendez, parce que Astarion veut nous parler. Je vais chercher de l'eau et on va parler avec Astarion avant d'aller nous coucher. Alors, qu'est-ce qu'il nous veut ? Good time for a chat. Ah, le moment est parfait pour Looking un... at something. Bah... Il s'admire dans ce mur. Qu'est-ce que vous faites ? I'm looking too, but not seeing very much. Ah, t'as pas de reflet, toi. Parce Another quirk of my affliction. Mm. Ça vous manque de voir votre visage, je veux dire? Preening in the looking glass. Petty vanity. Of course I miss it. I've never even seen this face. Not since it grew fangs and my eyes turned. Je dirais si t'as une petite feuille de salade entre les dents, t'inquiète pas. De quelle couleur ils étaient vos yeux avant? I don't know. Ah. I can't remember. Oh. My face is just some dark shape in my past. Ah! Hey, ça porte malheur de briser des miroirs. Pour vous, peut-être, moi j'aime assez ce que j'ai devant les yeux. And what do you see? Exactly. Des tapettes de chocolat.
J'ai envie de l'embêter du coup. Les rides ont de tes yeux quand tu ris. Le mec qui vieillit pas, tu sais. Excuse me, I'm an eternally young vampire. Not your doting grandmother. You can do better. What else? Oh non. Il veut que je le complimente. Des petites boucles qui frisent au niveau de vos oreilles. This is meant to be flattery, not poetry. Just tell me I'm beautiful and we can call it a day. Vous n'êtes pas trop mal, en revanche, Shadowheart est une vraie beauté. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire là? Je suis en train de créer de la jalousie. Ça part mal pour le trouble si je dis ça, je trouve. En même temps, lui dire qu'il est très beau alors qu'il le sait, je sais pas. On va demander à Zag. Je demande des conseils en séduction à Zag. Zag, je suis avec Thanatos et il est en train de parler à Astarion. Et Astarion lui dit « Me flatter suffit, vous savez, nul besoin de verser dans la poésie. Vous n'avez qu'à me dire que je suis très beau et nous pouvons en rester là. » Alors Thanatos peut lui dire que vous êtes très beau. Il peut lui dire « Vous n'êtes pas trop mal, en revanche, Shadowheart est une vraie beauté. » Ou alors on peut lui dire « C'est tout ce qui vous intéresse, des compliments vides de sens. » Tu penses que Thanatos devrait répondre quoi? Si j'étais Thanatos, j'irais probablement avec la première option et lui dirais « Vous êtes très beau. » Cela permet de flatter Astarion et de garder les choses simples. Évitez de compliquer la conversation avec des comparaisons ou des remarques sur les compliments vides de sens semble être la meilleure approche pour maintenir une interaction positive. Ouais, mais il le sait qu'il est très beau, non? Est-ce que c'est pas trop simple? Non, plein débat. Débat ici, c'est sérieux. Tu as raison, c'est peut-être un peu trop simple, Osad. Dans ce cas, pour ajouter une touche de complexité et d'intérêt, je dirais que Thanatos pourrait répondre « C'est tout ce qui vous intéresse, des compliments vides de sens. » Cela pourrait intriguer Astarion et ouvrir la porte à une conversation plus profonde et intéressante, tout en gardant une touche de mystère et de défi. Oui, mais... En connaissant Astarion, qu'est-ce qui fonctionne le mieux? Ça aussi. Jack, il est juste en mode, bah, juste t'es beau, genre. Il n'y a pas de débat, tu vois. En connaissant Astarion, flatter son ego fonctionne généralement bien. Ok. Mais il apprécie aussi les conversations stimulantes. Ah. Donc, une réponse qui flatte tout en piquant un peu son intérêt pourrait être efficace. Dans ce cas, Thanatos pourrait répondre, vous êtes très beau. Mais je parie que vous appréciez plus que de simples compliments vides de sens. Cela combine la flatterie avec une petite touche de défi, ce qui pourrait capter l'intérêt d'Astarion. Zag, il nous invente des réponses entre deux, du coup j'adore. Bon, on va juste dire qu'il est très beau, c'était la première option. Observant. Et ben voilà. La réponse D. Bon, ça a fait monter sa barre, du moins. Donc, je sais pas où ça se trame, hein, notre affection avec lui, en vrai. Je sais pas où on en est. J'ai l'impression qu'on est en couple avec Shadowheart, officiellement. Ce qui est pas mal, en soi. Oui, sa barre a bien monté. Oui, Zag avait raison. Astarion aime la flatterie. Ah, en même temps, Zag le connaît bien. Il a pratiqué le Astarion déjà. C'est un peu son ami aussi maintenant. Bon, on va aller donner les bottes à la sergente.
Alors. Est-ce que... C'est elle, la sergente. Et du coup, elle... Elle veut copuler avec Néré. Débarque Nao, parle à qui sur son téléphone? À Zag. Mon personnage de Baldur's Gate 3. Oh, je m'en remue pas de cette petite sueur. Move. I don't have time for you. Je lui donne les bottes. Allez, je rentre dans ses bonnes grâces. Never thought I'd see these back. Nasty sneak gave even Gek the slip. Crafty little shits these ones. Ah, il lui met... J'ai cru qu'il allait lui lécher les pieds, Jipep. Here then, his bounty's yours. Now move. I've got no time for the parasite stairs, but it's a mere tickle. C'est vraiment la meilleure zone du jeu. Pourquoi Peggy 18? J'ai vraiment raté quelque chose dans ma. Useless wreck of a lookout could have told me. Glad you're here to take responsibility. Tunnels collapsed. Trapped true soul near. He's stuck in there with poisoned geezers. We don't get him out soon, it's both our heads. Comment il s'est retrouvé là-dedans? Place is older than bone. Ah, dust. Pour la sueur de Tan, oui. Dropped a shit ton of metal once we dug a ways in. Get near out and you'll have the absolute's blessing. No doubting that. Ça va. C'est vrai que la petite sueur, c'est vraiment sympa. C'est bien fait, je trouve. Le character design est incroyable. qu'est-ce qu'espérez-vous trouver en creusant ici? Entrance to an ancient temple. General's orders near said must contain something important. He got me to recruit non-believers. But not everyone seeing the absolute's truth. They don't get paid soon. I'll have a riot on my hands. Ah, les drogas. Je lui ai demandé si elle a une idée, mais en vrai, la poudre explosive, ça avait bien marché la dernière fois. Not a one. Unless you count tacking Aboleth fangs to my whipping cane. J'ai de la poudre explosive. That's so. Set it near the rubble and ignite it. That'll blow the drow out. Wow. Contre-attaque de Kushigo. Tant que défense patiente est active, si une créature attaque le porteur et le rat, ce dernier peut utiliser sa réaction. C'est un truc de moine, ça. Ok. Donc ça me... Ça m'intéresse pas trop. Et ça, c'est pour pousser un ennemi. Ah, je choisis, je vais prendre l'anneau alors. C'est pas les deux, faut pas rêver non plus. Vas-y, je... Oui, ma poudre explosive. C'est ça ? Near the rubble, a fragmented voice clutches at your mind. True soul! True soul! Finally, you must clear rubble, billing poison! Tu as les deux, non?
Ouais, mais la dernière fois, j'avais éradiqué tout le monde dans cette zone et du coup, j'avais rien vu de ce qui s'était passé. Après un malencontreux dialogue, quoi. Du coup, j'avoue que je suis plutôt pour les laisser en vie, là. Ne bougez pas, je vais voir ce que je peux faire. Coucou Mad Marino, coucou, je cherche une safe place. Bah on risque de tuer des innocents, mais... C'est une safe place. Je ne sais pas quel est l'intérêt de garder Néré en vie. Mais comme c'est un dro, on va dire c'est un frérot, tu vois. Qu'est-ce que je vois d'autre? On essaye de la perception là. Ça fonctionne en plus. The blur resolves into an image. Two gnomes feverishly removing debris. While two others lie dead at Nia's feet, their flesh scorched by powerful magic. Safe place pour les meurtriers, on va dire. Après, il y a beaucoup de sueur sur le corps de Stan et c'est agréable à regarder, je trouve. Ce sera moins violent que le Discord de Pompon depuis quelques heures. Franchement, quittez le Discord de Ponce, hein. C'est pas déjà fait. Je vais essayer de mettre dans la poudre explosive. Il faudrait que je lance comme ça, peut-être. Ouais, reculez tous. Qui a un petit sort de feu qui pourrait... Bah moi. Attends, je suis allée trop loin. Et c'est parti. Ah. Mon PC a crash. C'est je comprends. L'explosion était trop forte. Il a pas supporté. Bon, pas grave, on va relancer. On va voir où est la sauvegarde aussi, parce que... Quand est-ce que j'ai sauvegardé, là? J'ai peur que ça refasse la même, par contre. Rapport de plantage. Oh. Je pense que l'explosion est trop violente. Le jeu se relance, je vais peut-être baisser un petit peu. Effectivement. On va peut-être baisser un peu la qualité pour essayer de tenir l'explosion, quoi. Mais c'est surtout que je sais pas quand est-ce que j'ai sauvegardé pour la dernière fois. J'ai plein de choses à rattraper, j'avais de la famille à la maison hier, j'ai rien pu suivre. Ouais, je vais baisser un petit peu la qualité, j'espère que ça va le faire. C'est vrai que la première fois que j'y ai joué, j'étais pas en train de bugger dès l'acte 2, quoi. Enfin, je suis même pas dans l'acte 2, en vrai. Merci Rôtisseur pour le raid, bienvenue, installez-vous confortablement, vous étiez sur quoi? Ouais, je vais baisser un petit peu, mais je crois que... Est-ce que ça a sauvegardé pendant la nuit? C'est possible. On va voir. Baldur's Gate 3, of course. Ok. Une run Dark Urge ou une première run normale ou la énième run?
Alors, je vais juste baisser un peu parce que l'explosion a fait exploser mon PC, visiblement. Vidéo. Ah ouais, je suis en... Je vais me mettre en moyenne, en vrai, hein. Premier run ever, côté obscur. Ah ouais? Mais Dark Urge? Premier run et Dark Urge? Ou pas Dark Urge? Je suis arrivée où alors? Ah, ça se trouve, je vais devoir réaffronter les... Non, non, j'ai fait mon perso nain barbare. Ah, d'accord, d'accord. J'avais pris un barbare aussi. Mon premier, c'était un barbare. La sueur, elle sera moins visible là, non? C'est chiant. J'avoue. Mais pour l'absolu, quoi. Ah, j'avoue que je suis en train d'embrasser une petite run evil, moi aussi, de mon côté. Bon, déjà, voyons voir où on arrive. Dites-moi que j'ai rien raté avec Astarion. On lui a dit qu'on le trouvait beau. Il y a eu une petite scène avec un miroir. Où est-ce qu'on est ? Attendez, mes textures chargent. Dites-vous, j'ai baissé la qualité. Hein. Texture infinie. Et je m'insurge du live sauvage. Comment qu'on suit, nous? Déjà qu'en étant en famille le week-end, c'était pas vraiment suivi. Je suis désolée. Je suis désolée. Mais j'ai eu une très grosse envie de Baldur's Gate, en fait, sur un créneau où c'est vrai, de base, je ne streamais pas, mais... What? Oui. Non mais on attend que les textures arrivent. J'y pépe. Histoire de ma vie, le chargement des textures. Ok, ils sont déjà morts. Ils sont déjà morts. Et je suis full vie. Donc c'est bon en fait, on lui rend ses bottes et... Alors par contre... Oh non, c'est horrible, qu'est-ce que c'est? C'est les qualités graphiques qui font ça? Ah non, ça va pas le faire, hein. Les têtes ne sont plus sur les corps. Je pense... What the fuck? Est-ce que ça a tout à voir avec les graphismes? Auquel cas, je remets en haut, hein. Ok. Ne mettez pas en moyen les têtes des choses. Ne mettez vraiment pas en moyen. Bon, juste on va essayer de... Je vais sauvegarder avant de faire péter l'explosion et voilà. Madame, je vais vous rendre vos bottes. Je lui rends ses bottes. Non, mais comme ça, on a besoin de la sueur. Ça serait dommage, quand même. Never thought I'd see these back. Here then, now move. The parent, a troop, he's stuck in there with poisoned kisses. J'ai de la poudre, voilà, hop. Laissez-moi faire, je prends ça, boum. Je vais me rapprocher, quand même. On va essayer d'avoir... on va essayer de refaire le jet de persuasion. Qu'est-ce que ça vaut. Finally, you must clear rubble. Billing... Poison. View through Nier's eyes is a blur.
On y arrive aussi, donc c'est parfait. Ok. Je vais jeter la poudre explosive et avant de la faire péter, je vais... Avant de la faire péter, je vais sauvegarder. J'espère ne pas crash. Allez, on va pas crash. C'est faux. Pourquoi je peux pas, chemin? Monsieur, vous êtes devant mon jet. Ok, c'est bon, mon PC a survécu. Ah mais... Comment ça, libéré? On peut sortir? Il est mort. He sensed Nier's frustration, tinged with rage, as the connection fades. You don't move, and you better hope that's the worst of it. Attendez, je vais vérifier qu'il m'en reste. You pricks got some nerve. Clean up this mess. Nier dies, heads. You better hope your little prick. Oh, Beldron, can you hear me? Beldron! Non, je refuse. Vous voyez bien que j'étais en train de déblayer? Oh non, flûte! Non, je reprends ma save. Je refuse. Je refuse. Non, non, non. On va recharger les textures. Allez. Non, non, non. Non, non. Je vais balancer cette truc parce qu'apparemment c'est pas suffisant l'autre poudre. Je vais balancer l'autre bombe quand les gens sont loin. Non, parce que... Je veux voir ce qui se passe quand ces gens restent en vie. Tant pis, le PC avait survécu, c'est parce que ça avait pas fait péter tous les cailloux. J'adore ta voix, il faut que tu fasses du doublage. Bah, c'est gentil, Tico. On peut dire que d'une certaine manière, c'est ma façon de faire du doublage, d'animer des jeux vidéo. Surtout quand il n'y a pas de voice acting de base. C'est mon pyjama, Choupi. Je suis en pyjama en fait. Je suis vraiment en mode venez comme vous êtes. Il faut les garder en vie pour mieux les tuer plus tard. Mais je voulais pas les tuer justement, je voulais voir ce que ça faisait. Parce que là je suis un peu en train de me faire une armée d'absolutistes. En me disant bah ces gens déjà convertis à l'absolu ça pourrait être un peu mais... Gloire à l'absolu, c'est moi l'absolu, vous voyez? Vous voyez ce que je veux dire? Alors je vais jeter la bombe. Comme ça. Ah ouais mais du coup... Attendez parce que du coup ça a fait péter l'autre mais Ah c'est pas ouf ça. Est-ce que je peux y aller à coup de... You stop digging in there, and I'll...
non. Ah bah c'est... C'est Balibalo. J'en ai pas d'autres, hein. Oh, ça peut pas tomber sur ça, je tape pas assez fort avec ça. On n'a pas un sort, sort de force de ouf. Je vais être obligé de recharger ma partie. On recommence. Je reprends ma partie. Je fais péter le truc explosif du début. Et sans m'avancer tout de suite, parce que sinon je pense que c'est là qu'ils reviennent avec moi. Je relance l'autre bombe. Et là j'aurai assez de dégâts, je pense. Ouais. Bah Tan, c'est un peu notre... c'est notre incarnation de la mort, tout simplement. Donc je me dis... En tant que dieu, il a le droit d'avoir des adorateurs. Ça aurait pu être marrant du coup une run, mais j'aime pas Gale, c'est ça le problème, parce que Gale il est dans cette accession à une forme de déité. Ça aurait pu fonctionner un peu aussi. Alors, on va faire péter là. Attends, tu me gênes. N'avancez pas, restez derrière. N'avancez pas. Ah c'est bon, très bien. Ah ben voilà. J'ai pas eu besoin de lancer l'autre truc. Si ? Non, vous êtes libre. Vous êtes libre. Est-ce qu'on a envie de sauvegarder parce que c'était laborieux ? Alors attention, voilà le moment où ça... Où moi c'est parti en cacaboudin. Worthless slaves. Your incompetence has been my ruin. Oh, bref, il a l'air un petit peu insupportable. Oh. Vas-y, je dis rien. Zag, il est en mode... Alors moi, dans la dernière run, j'avais dit quelque chose. Zag, laisse-moi gérer cette fois, s'il te plaît. Beldron, no. Oh. Oh. Ils étaient sur mon Death Note. They absolute gave you everything. And this fiasco is how you reward her. Me and mine worked flat out. I was cracking the whip day and night. Tell him, true soul. Moi, j'y peux rien dans vos disputes de couple, hein. N'empêche que sans moi, Neri serait mort. C'est bien vrai. J'ai envie de rien dire. Near pities you, Thryn. Your errors and excuses. And your sorry end. Mais elle voulait un enfant avec toi. Oh my. Your skull buzzes, and you see your own face through Nir's eyes. Worthless, every last one. Their failures must be punished. True soul, take their heads. The absolute commands it. Qui est sur mon Death Note? Si vous insistez. Show them no mercy.
Their corpses will make a fine offering to our mistress. Après, du coup, il est avec nous. Ok. Ah, et il a déjà tué quelques petits trucs, hein. Ouais, l'alliance des drôles. On peut dire ça. Il y a cet œil qu'il faut absolument tuer. Oh, c'est trop bien de pouvoir pousser comme ça. Est-ce qu'on a un avantage? Oui. Et on croque. Petit truc pour parler des nains. Pour l'instant, j'avoue, Maron est spécial quand même. Hein. Mais c'est bien, ça change vraiment au moins. C'est bien Zag, encore. Maîtrise mentale. Ah, elle est passée de l'autre côté, sauf si je la tue. Ah, il descend, c'est bien. Tellement de possibilités, c'est trop cool en vrai. Bah, normalement, ce combat sera quand même du coup vachement plus facile que. Invisible en fait. Parce que quand moi je l'avais fait, c'était contre Néré, contre tout le monde, c'était hardcore. Xavier. Arrête de gâcher les trucs, hein. Elle est revenue à elle. Ouf. Alors ici on en a un. Lequel qui joue après? Lui? Non. Lui? Non. Lui? Lui. Eh mais je lui fais pas les dégâts Appel de la foudre. Oh. Ça, ça fait 36%. Oh là là, c'est bien là. Oh, la zone de 3. La run de fou, ce serait de faire le jeu sans faire un combat. Je ne sais pas si c'est possible. Hein. Je ne sais pas si quelqu'un l'a déjà fait et si c'est possible. Peut-être, hein, mais... Ça me paraît compliqué quand même. Hein. J'avoue qu'au final, c'est que des drôles. Il y a Mintara, maintenant Néré. Qui ont l'air un peu d'être des hauts gradés, vous voyez ce que je veux dire? Faut juste réussir au dé.
Mais du coup, tu confirmes que c'est possible, tu peux faire... Quelqu'un a déjà fait une run sans aucun combat ? Théoriquement oui, mais la fin n'est pas la meilleure. Ok. Ah, je peux l'animer ? Ce serait drôle. Thanatos, vraiment, il est mort. Par contre, du coup, non, il y a quand même ses restes. Non, parce que j'allais dire, elle avait quand même des bottes sympas que je lui ai rendues. Je vais pouvoir les récupérer. J'ai vu quelqu'un faire une run full pacifiste pour voir si c'est possible. Il faudra que je voie. Pourquoi pas essayer, ça pourrait être rigolo. C'est pas une run que j'avais prévu de faire. Des idées de run, j'en ai pas mal, comme vous le savez. C'est la fin suicide de Gale Acte 2 du coup. Ah, y a pas d'acte 3 du tout. Oh, c'est un peu dommage alors. Ah, c'est moi qui le contrôle. Ouais, ça tape pas mal en plus. Va peut-être falloir soigner Neri. En assommant, en évitant les confrontations par la persuasion, en tuant directement du style positionner des barils sur le chemin des ennemis, mais c'est eux qui les déclenchent, pas toi. Ouais, mais ça fait du combat quand même. Alors. Quand je me soigne, tu es bien gentil, alors j'aurais pu me soigner moi-même. Du coup, ça le jette par terre. J'arrive, Shadow Heart. Serre un peu les fesses. Voilà. Non, il en reste une. Ah, elle est là, je l'avais pas vue. Je croyais que c'était la dernière, mais il y en avait une cachée ici, là. Ah non, j'ai glissé sur la glace. Ouais, pour moi, tuer assommé, ça revient à faire un combat. Donc c'est pas pacifiste, tu vois. Non, je valide pas le fait d'assommer. C'est pas pacifiste pour moi. Enfin, genre la personne meurt pas, non mais d'accord, mais pour moi c'est pas pareil que sans combat du tout quoi. This was meant to be a simple operation. I arrive, those... Il n'aura jamais autant parlé. Instead, I've been beset by incompetence, treachery, and now this. The Absolute's business remains unfinished. Et c'était quoi la volonté de l'Absolu?
important business. My orders come from General Thorne himself. I need you to deliver a message to him. Tell the General that I did what I could, but that the route through Grimforge is impassable. Je la connais pas, moi. On sera fait, on se peut trouver ce général. Et qu'est-ce qui est arrivé ici? When the General entrusted me with this mission, he warned there may be some damage caused by un monstre enragé. The temple. He never mentioned this. C'est quoi ce 10? C'est qui le général? The favorite. Nothing is done in these lands without his knowledge. Ah, mais Thorne. Ah. Les tours de haute lune. The general resides at Moonrise Towers, but you cannot simply travel there. The land surrounding the towers is blighted by a deadly curse. Et du coup, je dois m'y prendre comment? I had a moon lantern to keep the curse at bay. Alas, the rocks did it in. There is another way, though. We have allies on the surface. Seek them out, and play this lyre to call on their guide. Whatever you do, do not attempt the journey to Moonrise without his protection. I promise you it will not. Je sais pas en jouer, moi, de la lyre. D'accord. Do not tarry. I will see you again, but only when my work is done. I can still reach the temple and fulfill the general's orders. His advisor, Balthazar, also. Ah, mais en fait, ça communique avec l'autre temple de Char. C'est la même chose, en fait. C'est le même temple, mais par des accès différents. I am generous to those who aid him. When I return to Moonrise, I will be triumphant, and you will share in my victory. Comment? Ah, oh, c'est ouf. Bah, j'apprends des trucs, hein. Par contre, 2 à 15. Peut-être que quelqu'un a besoin d'un arc comme ça, ceci étant. Dernier bastion. Durant un combat, si le porteur commence son tour avec 50% de son maximum de points de vie au moins, il bénéficie de fureur pendant 2 tours. Je vais donner ça à Zag. Ouais, ouais, je vais récupérer les bottes. Non, pas elle. Ah, pas mal de trucs au final, hein. De l'or aussi. Du poisson qui se consomme. Les bottes sont pas mal en plus, hein. Des bottes de rapidité. Un Shadow Heart à up. Je vais donner à Shadow Heart. Cet arc, ça sera pour moi. Tu vois, je vais pas pouvoir en jouer vu que je maîtrise pas la musique. Ah, ça, ça peut être intéressant. Et on va donner ça à Astarion. Ça sera mon alliance pour lui. Mais Zag, il a foulé brumeuse. Donc c'est très pratique. Avec ses bottes.
Mais du coup, je peux... On peut pas aller à l'intérieur ? Pave my path with corpses, build my castle with bones. On peut pas faire du vent, genre ? Et pétarder cette porte ? No time to dally. Pas de backseat, Jadam. Alors. J'ai déjà malédiction parce que... Lumière. Guérison de groupe en vrai. Guérison de groupe, hein, je pense. Je peux pas changer. J'ai embrassé la voix du mal. Ok, j'ai guérison de groupe. Oh, c'est des sorts que j'ai par défaut. En fait, il faut choisir. Que résistance, on va faire ça. Ah, bah après, c'est un sort de 3 par contre. Hein. On va pas faire ça alors. On a quoi là? On a restauration partielle? Non. Peu en dehors des combats, flemme. Esprit gardien tous les jours. On peut se garder un retour à la vie, vraiment, au cas où. Prendre ma hallebarde, je l'aimais bien. Vous-même ou un allié ne pouvez pas être pris pour cible tant que vous n'attaquez pas une créature ou que vous ne lui faites pas de mal. Ah, mais c'est bien pour soigner ça en vrai. Voilà. Ouais, je peux prendre le retour à la vie, oui. Vas-y, hop. De toute façon, ça c'est des sorts que je peux changer en fonction des besoins aussi. Par contre, on est d'accord qu'on n'a pas de vent. Sort de ventilation. J'ai hâte. Keep your distance, darling. C'est pas Zach qui va avoir quelque chose. Hein. Just. Il a le sort de la lame de feu, du coup. Je l'ai même pas fait. Même pas testé ça. On n'a pas le sort... On a ça. Est-ce que ça peut... repousse les créatures et les objets. Est-ce que ça marche pour le... Revenez là, revenez là en vrai. Excusez-moi, je vous ai visé, j'ai pas... L'erreur est humaine. Pardonnez-moi, genre... Bonne soirée, Pomelo. Donc... Non, c'était pas ça. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre de... Image miroir, ouais, non, c'est pas... Armure...
Et si je lançais... Après 36 quoi. And away I go. Ça n'a rien fait du tout. On n'a pas un masque à gaz. Ouais, mais si je veux pouvoir crocheter cette serrure, faudra quand même que je puisse passer par là. J'ai un peu gâché ma... Ok. On peut pas rendre... Neutralise les effets de tous les poisons. D'accord. What now? Ah non, mais il peut pas y aller en fait, c'est juste infranchissable. Bon, j'ai réussi à le pousser dedans tout à l'heure. Viens là, mais Shadower, viens là, mais... Franchement. Bah, c'était aussi simple. Bon. On pourrait pas genre feuille morte là-dedans? Oh non. Non, on peut pas. Oh, c'est dommage. Tellement failli pouvoir y aller par là, quoi. Dire que j'ai réussi à ouvrir la porte. Mais pour R. Il s'en est très bien sorti. Ben du coup, qu'est-ce qu'on fait nous? Est-ce qu'on monte autour de Haute Lune déjà? Potion de guérison déjà, on va prendre ça. Petit ragoût de champignons, tiens, c'est dans le thème de la soirée. Parce qu'au final, j'ai pas tué tout le monde ici, mais presque. Au final, beaucoup de gens sont morts quand même. Mais est-ce que... Venez, on va voir si on croise des gens vivants.
Ouais, mais est-ce que Neri est un vrai allié, quoi? Regardez des buffles. Peut-être... j'allais dire on peut communiquer, mais j'ai pas communication animale. Il y en a un, il dort. Personne à communication animale? Si, Zag. Non? Alors, qu'est-ce qu'il raconte? Il est bourré ou quoi? Something's on my mind. Tired. Sleep. Rest, little one. But do not take long. I feel his shadow. I heard his name whispered. General Thorm, Ketherick Thorm. From the sound. The Ketherick Thorm. The name means little to you, yet your heart pulses to its rhythm. Oh, les cinématiques avec Zag. Mais pas déçu, hein. Ce Ketherick Thorm te fait peur, qui est-ce? Mighty elf. Cloaked in darkness, 10 masters ago, and 10 more. But I remember, there was the work, and the blood. There was the Thorm's army. There was the hell beast that broke them. Bonne nuit, Masmarino. The Ketherick Thorm's name faded into stone. Until the Nier came. Nier, il dit. Une bête des enfers comme moi, tu veux dire, avec des cornes? No. Bigger. Hein? Angrier. I saw tusks and flesh. Smelled fire. Ça me and eggs. It came with the masked men. Crashing. And smashing. C'était il y a longtemps qu'elle est lieu de faire entre Neri et Ketherick. I know not, so I say not. Yet I hear his name again, said by the shadows. Ta mémoire est impressionnante. Quel âge as-tu au juste? I outlived my mother. And her mother's mother, and many mothers beyond. J'ai survécu à ma mère et à la mère de ma mère. Cursed to see many die. Ça paraît assez logique, non? Généalogiquement parlant, je veux dire. Ça, c'était l'ancien. Looking ahead. Ok. Oh là mais... Non. Ça c'était une squelette de bête. C'est pas moi, j'y suis pour rien, je vous jure. Armure intermédiaire. Est-ce que c'est pour Shadowheart ça? Je crois qu'elle peut mettre ça. Ah mais elle avait déjà des bottes. Quand même lui mettre ça. Ouais, c'est la même chose du coup. C'est juste que... C'est juste que c'est plus stylé. C'est le buff élu. Le sage de la montagne dans Kirikou. Oh, vous avez vu les annonces au Love and Space? Vous avez peut-être pas vu. Ah bah... Ah bah celle-là, il est mieux. Journal du tribun de la nuit. As you look at the skeletons, you realize they are all clad in the same dark armor. Dark Justicia uniforms. These were Shah worshippers. C'est pour ça qu'on va te donner la tenue.
Celui qui les a tués s'est fait l'ennemi d'une puissance déesse. Powerful enough to take her own revenge, I'm sure. No need for us to get involved. Celle-là, elle est beaucoup plus badass. Yeah. Voir la mention gay pourrait manger ça. À chaque fois, ça me fume. Another step forward. De la paresse, de la gloutonnerie et du vice. Quel genre de vice? J'avais jamais fait la corrélation que c'était le même temple en fait, entre celui de là-haut et là. C'est pas clair ce que je suis en train de vous dire. Let's have a look. Après c'est en décomposition, c'est peut-être pas... Ouais, c'était un champignon pourri l'autre aussi, hein. c'est pas jugé en jeun. On pourrait sauter. Oh! On pourrait sauter et descendre là. Il y a deux coffres, comment? Par ici. Est-ce que là on peut sauter si on a... Qui a les bottes feuilles d'automne là? C'est Zag. Feuilles d'automne. C'est feuilles mortes. Attends. Youhou! On dirait que je vole vraiment avec les ailes et tout. Ah oui, mais... Tout le monde a raté son jet de perception, ça m'arrange pas des masses. Pas des coffres piégés, cette affaire-là. On va vite s'en rendre compte. Il me semble qu'il y a une histoire comme ça. Ouais. Ah, ça me dégoûte. Des mimiques. On a l'avantage hein, ce temps. Est-ce que ça se croque ça? Ah oui. Tout ce qui a une langue est donc humain. 70%, 80%, 80%. Ok, c'est cool. Oh non. Le pauvre. Ok. C'est pas mal. Ah oui, mais du coup, je l'ai mis... oui. Bon, ça va s'envoler, ça va s'envoler. Ah, il vise... Bah c'est bien, ça l'attire proche, lui qui a besoin de... d'un peu d'être au cac.
On part sur celui-là du coup. Hein. Ah, on a perdu un. Ah mais ils avancent. Ils ont des petits pieds aussi. Hein. Ils ont des petits peu de son, c'est mignon. Ok, c'est beau. Pas les dagues du coup, parce que Zack va aller dedans, sinon c'est chiant. Oh, c'est stylé. On est vraiment devenu plus fort, hein. Hyper cool. Là, je sens la diff de level, hein, de stuff, de tout. Hein. Ah, bah voilà une... J'allais dire une hache sympa pour Zack, mais même pas en vrai. Elle peut être lancée. En fait, elle rentre en deuxième arme surtout. Je vais la prendre quand même au cas où. Et ben, on va désamorcer. Ça va bien se passer. Va. Astarion, c'est peut-être toi qui va... ou pas. Ah si, tu vas crocheter ça. Accrocheter, c'est toi l'expert en facile, elle a dit bah prouve-le. Ok, tu l'as prouvé, c'est bien. Parchemin de forme gazeuse. Je deviens un petit nuage de brume pour éviter les attaques. Ok. C'est super fort ça. C'est celui-là qu'on n'a pas pris. Des gants merveilleux. C'est pour les troubadours et les bardes. C'est une cage de bardes aussi. Pour ça. On peut remonter. N'hésitez pas à me suivre, hein. Voilà. Et là, c'est les buffs et les... On est déjà passé par là, en vrai. On va pouvoir continuer. Mais on fera ça au prochain épisode, parce qu'il est déjà 22h37. Mais trop contente d'avoir joué à Baldur's Gate aujourd'hui. On va aller au feu de camp. Faire un grand sommeil. On avance bien, en vrai, non ? Hyper intéressant. Let's see what this does. Après, j'ai trouvé globalement les combats plus faciles. Je sais pas si c'est juste parce que j'embrasse la voie du mal. Ou si c'est juste parce que bah, j'ai l'expérience aussi de la première run, hein, en vrai. Sauvegarde et on va se coucher. Hop là. Voilà messieurs dames, j'espère que ce petit live impromptu non prévu vous aura plu. Je vous fais des bisous, je vous souhaite de passer une bonne nuit et nous on se retrouve demain matin pour la suite des hostilités sur twitch.tv/naomé. À demain.